Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo assez exceptionnelle puisque nous allons équiper une Tesla Model S. La Tesla Model S de notre ami David alias Tesla Connect. Alias Tesla Connect. Tu viens juste de récupérer ta voiture de la céramique. Exactement. Hein, elle était chez Flo, hein, chez Deep Color du coup. Il a fait un boulot formidable dessus. Malheureusement, il a un peu plu hier, du coup, j'ai essayé de la nettoyer un peu, là, mais avec mon eau calcaire du Gers, c'est pas évident. Ouais, mais, bon, après, mais ça sincèrement, va aller, hein. Niveau brillance... D'ailleurs, j'ai mis les deux voitures à côté. Vous allez voir une voiture avec céramique et sans céramique, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, en plus, il y a la tienne, au pire, si on veut montrer aussi. Ouais, c'est clair. En plus, les deux Model 3 qui sont là sont grises, donc ça se voit bien. Mais du coup, oui, tu lui présenteras le travail qu'a fait Flo. Tout à fait. En fait, voilà, dans une vidéo qui sortira dans quelques temps, j'ai fait une interview de Flo, du coup, pour qu'il m'explique un peu son travail, ce qu'il a fait sur ma voiture, que ça lui apporte également, hein, parce que c'est important. Il y a une vidéo qui sortira à ce sujet. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour équiper ta voiture grâce à notre partenaire GreenDrive. GreenDrive, que je remercie, bien sûr, parce que c'est vraiment... Ah bah là, tu peux, ils nous ont envoyé un gros carton là avec plein de choses pour la Model S, donc on va découvrir dans la vidéo tout ce qu'il y a dedans. De mémoire, je crois, donc, ils t'ont mis tapis de coffre, tapis de frunk, tapis intérieur, il y a les protections d'écran aussi. Et les protections d'écran avant-arrière, parce que c'est surtout celle de l'arrière qui est très importante vu que je prends des clients. Oui. Et un coup de pied est vite arrivé, donc voilà, je voulais vraiment qu'ils soient protégés par une vitre de type comme sur vos téléphones portables, en fait, hein, en verre trempé. Hein. Oui, parce que je rappelle que sur les Model S, évidemment, maintenant, sur les nouvelles versions, il y a un écran multimédia à l'arrière. Je te laisse ouvrir ça et nous montrer ce qu'il y a dans le colis. Alors, ça, je pense, c'est les tapis thermoformés, du coup. Donc ça doit être le conducteur. Ouais, ils sont très chouettes, hein. Très chouette, très doit être facile à nettoyer, du coup, beaucoup plus que de la moquette, évidemment. Le passager. Ah ouais, ça a l'air propre, quand même. Ouais, très propre, très, très rigide, du coup, il doit parfaitement s'adapter, on va le voir, hein, mais ça doit parfaitement s'adapter. Alors, hop, alors ça, c'est un seul tapis de toutes les places arrière, du coup, et ça devrait tout couvrir. Ouais, bah ça a l'air propre en tout cas, puis j'aime bien le rendu là. Voilà, ça change de la moquette de base en fait. C'est ça, c'est ça. Puis moi, mon intérêt, c'est surtout que ça se nettoie beaucoup plus facilement que de la moquette, hein, parce que bien sûr... Oui, bah toi, de par ton travail, passage qu'il y a, Donc, je rappelle que David est taxi, donc des clients à l'arrière sa Model S, il va en avoir. Donc oui. Ça permettra aussi de juger dans le temps la qualité des tapis, justement. On a le tapis de Frank, le déballe, siglé du coup GreenDrive. Ouais, bah du coup... Voilà. Notre partenaire pour cette vidéo, je rappelle. Alors ça doit être le tapis de coffre qui est... Il a taille, oui, je pense. Vu que le coffre est immense. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois, voilà, il est prédécoupé. Pour accéder au sous-coffre, du coup, ben, comme c'est, voilà, il y a des pliures là, du coup, ça va être nickel. On va le tester et ça va être nickel. Ah, les protections d'écran. Les protections d'écran dans un joli package, d'ailleurs. Ouais, en tout cas, ouais, ça a l'air quali. Ouais. Voilà. Faut voir comment ça se pose, surtout. On va l'ouvrir. J'ai vu que Greenor avait mis des vidéos sur son site, justement, pour la pause, pour aider. Pour la pause, pour guider les gens. Moi, Tesla a eu la bonne idée de ne pas m'enlever le film protecteur d'origine sur le grand écran. Comme ça, j'aurais pas nettoyé, j'aurais juste à l'enlever et hop, je pose, direct. Oui, il n'y aura pas de trace du coup. Parce que finalement, le plus dur quand on pose ce genre de vitre, c'est d'avoir un écran nickel, nickel, qui n'est pas une seule poussière, parce que sinon, vous collez par-dessus et c'est fini, quoi. On commence par les tapis, on fera ça en dernier. Allez, comme tu veux, c'est toi le chef, allez, je te suis. On va faire le tapis de coffre. Le coffre gigantesque, tu peux... Le coup, il est énorme. Tu pouvais caler ce que vous voulez, un vélo, des enfants... Donc avec un vrai haillon, ça c'est bien aussi. Donc on va le rentrer comme ça du coup. Hop. Ouais, bah après, vu que c'est prédécoupé, ça doit s'installer en 2-2. Exactement. Alors, peut-être que je m'y reprenne. Là. Voilà. Alors, ensuite, il faut le mettre bien aux formes. Je pense que tu peux venir plutôt de ce côté. Allez. Comme ça, parce que là, il faut bien l'enfoncer et le mettre au fond, parce que voilà. Là, il a l'air d'y être, je crois. Pas tout à fait encore. Après, je pense qu'il va falloir, comme celui que j'avais mis moi, il va falloir qu'il prenne la forme. Ouais, il était plié. Il va falloir, il était plié dans un carton pendant tout le transport. Et j'imagine même en conditionnement chez eux. Donc il va falloir qu'il. Mais voilà, regarde. Ouais, mais après ça rentre nickel. Là, hein. C'est mis l'intérêt. À part là où il faut que. Voilà. Mais quand tu auras des valises, etc., il va se former. Non, mais du coup, ça s'adapte
La découpe, en tout cas, elle s'adapte nickel. Ah ouais, du coup, oui, ce que tu disais, ça te laisse la tirette, du coup, là. Ça me laisse la tirette, et en théorie... Ouais, bah voilà, tu peux lever direct. Bon, évidemment, ça se tourne un petit peu ici, mais c'est normal. Petite pub pour mesplaques.fr, au passage. C'est si, ça, c'était pas prévu. Si vous adhérez au Tesla Owners Club, il faut demander à Olivier pour avoir le code de réduction. Exactement. Voilà. Bon, bah ça, nickel. Ça protégera bien. Vu le nombre de valises que je mets là-dedans, tu m'étonnes. Chaque jour de travail, avec les roulettes, ça, bah, ça fait, ça abîme la moquette, hein, tout simplement. Et avec ça, j'aurai pas ce problème. Ok, nickel. Allez, on continue du coup avec le tapis de Frank. C'est pareil, celui-là, c'est... il va falloir qu'il se forme aussi. Attends, j'en profite pour enlever un petit caillou ou deux. Alors, faut bien le passer. Ouais, dans les rails, oh, pour le coup. Là, 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 là. Et pour le coup, c'est propre. Moi, de mon côté, il est calé. Ah bah là aussi. Hein. Cela dit, ça rappelle un peu les micro-perforations. Ouais, ce que j'allais te dire, c'est avec des sièges, ouais. Là. Tu regardes, c'est... Non, mais c'est propre, franchement. C'est le fameux écran arrière, magnifique. Le passager, c'est celui-là. Ouais, bon, là, pour le coup, pas de scratch, mais peut-être que du coup, ils sont tellement bien découpés qu'ils bougeront pas. Oh, vu la découpe, je pense pas qu'ils vont trop bouger, les machins. Je pense pas non plus. Alors, attends, je vais reculer le siège parce que, du coup... Tac, ça y rentre. Comme dans du beurre. Ah ouais. Alors, j'en parlerai dans ma vidéo, mais il a également traité tout l'intérieur, tous les cuirs. Pour le, alors, la céramique, tu veux dire? Oui, ouais. Il a tout nettoyé. Voilà, non, il a mis aussi une couche de protection. Sur les cuirs? Ouais. Alors, ce des cuirs est... vegan, je rappelle. Oui. On ne tue pas d'animaux pour fabriquer des Tesla. C'est important. C'est important de le souligner. Hop. Donc là, on a l'air pas mal. On a l'air pas mal. Ça va pile en dessous, voilà. Voilà. Ça fait propre. Ah bah, ben, ouais. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que quand je vais remonter dedans, il va se recaler. C'est réflexe. Alors, je vous dessous, alors, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a, voilà. Alors, donc, il y a bien les deux écrans, déjà. Il y a bien les deux écrans. Avec les petits trucs pour nettoyer. Le screen protector accessory. Il y en a deux, bien sûr. Tac. Donc ça, c'est pour le petit écran. Et du coup, non, il n'y a pas le guide. Ah, tu vois? Non. Donc là, il va falloir que tu vises bien. C'est ça. Ouais. C'est ça. Tout dépend de toi. On commence par le grand. Allez. Allez, parti. On va se mettre. Alors, je récupère ça parce que je vais pas tout prendre. Donc, surtout important, hein, se mettre bien en mode nettoyage d'écran. Donc, vous passez par le menu entretien, mode lavage et nettoyage d'écran. Ça vous permet de pouvoir nettoyer. Alors là, il a l'air dégueulasse, mais effectivement, comme j'ai le petit film que qui va bien, qui va bien, j'aurais théoriquement pas besoin de ça. Faire gaffe parce qu'il y a un sens, hein. Vous voyez, il y a une bande là noire qui est plus large que celle-là, donc celle-là c'est celle qui vient en bas. Voilà, on le voit ici en fait, celle-ci est plus fine. On y va, on décolle ça. Donc évitez, voilà, on peut laisser les doigts sur la bande noire bien sûr, mais pas, il faut éviter de les mettre sur l'écran. Vu la taille du truc quand même, c'est chaud. De toute façon, dites-vous qu'il faut prendre son temps. Voilà, vous n'êtes pas pressé. Faites pas comme moi, d'habitude. Voilà, tac. Donc je fais gaffe à pas mettre mes doigts. Donc on va essayer de bien le placer. On va partir du haut. On a l'air pas trop mal. On a l'air bien, ouais. Je crois. Ça m'a l'air pas mal, en vrai. Oui, c'est mieux. Donc maintenant, le but, c'est d'utiliser la chiffonnette pour prendre appui dessus et essayer de chasser l'air. Alors le truc, c'est que là... Ah voilà, on commence à le voir, l'air, là. Ouais, ça fait des petits... Voilà. Donc le but, c'est de chasser l'air sur les côtés. On voit là. Ouais, on voit, c'est en train de se mettre là. 5 minutes later. Une fois l'écran allumé, on voit rien du tout. C'est parfait. Donc là, je vais re-rentrer vers moi. Tac. Et moi, sincèrement, je vois rien. Non, non, je vois aucun défaut. C'est propre, hein. Il n'y a pas de... C'est... Il n'y a pas de... Je crois que c'est la meilleure pose de protection d'écran que j'ai faite de ma vie.
Ouais, bah là, si tu t'appliques pas là, tu t'appliques jamais. Hein. C'est ça. Je me prépare d'abord avant. Donc évidemment, hein, cette partie-là, elle va en bas. On en profite pour la dépoussiérer également. Ça s'insère quelque part, ça, je pense. Oui, je pense que ça s'insère comme ça. Ouais, non, mais il y a un truc en bas. Ah oui, très bien. Oui, oui. Nickel. Oui, oui. J'avais pas vu. Mais du coup, ouais, ils ont fait un petit renfoncement, en fait. Un petit renfoncement. D'accord. Ce qui me dit que du coup... Ça doit pas être un peu plus compliqué à poser que l'autre. Oh, on va voir, en fait, tu l'insères en appuyant. Bon, on va voir. Façon, on va voir. On retire le film, protecteur. Comme tout à l'heure. Alors, effectivement, tu vois, je sens, voilà. Là, faut pas te louper. Et là, il faut pas me louper. Tu me disais que tu voulais monter une SARL pour poser les protections d'écran dans les Tesla. Non, non. Non, non, tu l'as inventé. Je pense qu'il en pose deux et après, il arrête la boîte. Et c'est fini. Alors, on va passer, on va commencer par le bas, du coup. Ouais, je pense, ouais, pour le... Oh, ça se pose. Ouais, ça se pose. Comme si j'avais un guide, en fait, hein. Finalement. Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Cette protection, elle a été faite pour les premiers écrans de Model S et X, avec les grosses bandes. Sauf que moi, j'ai le nouvel écran arrière. Ah. Avec les... qui est plus large. Oui. Qui est plus grand. Oui. Du coup, ça, ça va pas. C'est ballot. C'est ballot. Et il faudrait demander à Green Drive, du coup, mais je pense pas que ce soit le cas, puisque c'est pas sur leur site. Est-ce qu'ils ont la nouvelle protection d'écran? Pour le nouvel écran, qui n'est pas au même format. Celui-ci est plus grand. Et ben, on va voir avec Dream Drive. Et j'ai été bête parce que j'aurais pu le voir de suite au format, mais bon, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Bon, bah du coup, tu n'auras pas de protection arrière pour le moment. Ben, ou alors, manger, ça va te manger un peu l'écran. Ça va me manger bien l'écran. Ça enlève une bonne partie quand même. Alors moi, je serais toi. Tu le mettrais. Oui, parce que... En attendant. Oui. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, ça s'enlève. Au moins, tu as une protection, même si ça mange un peu l'écran. Parce que, à mon avis, effectivement, si tu commences à prendre des clients et tout, ce serait dommage de te faire pourrir l'écran. Exactement. Donc, on pose. Et en théorie, ça tombe. Puis le poil. Bon, oui, pour le coup, par contre, ça va nickel. Hein. La petite chiffonnette. Ouais, ça réduit vachement l'écran, t'as vu, hein. Alors, voilà, c'est en train de se... Hop. Là, c'est nickel. Là-haut, ça vient. Mais vaut mieux qu'il soit protégé, je pense. Mais là, il est protégé. Pour le coup, là, c'est nickel. Et puis, ça rend très bien en plus. La qualité de la protection est impeccable, je dirais. Et s'ils sortent du coup la nouvelle version, je la mettrai à ce moment-là. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo où on a posé les différents accessoires que Green Drive nous avait envoyés. Si on doit faire le bilan, je trouve qu'ils sont plutôt qualitatifs, notamment les tapis, je trouve. Ils sont qualitatifs, ils sont très bien découpés. Vraiment, ça se joue à quelques millimètres à chaque fois, donc c'est vraiment bien. Les écrans sont très très bien. Franchement, le rendu est top, il n'y a rien à dire. Bon, bah voilà, je pense que David est content. Ouais. La qualité au rendez-vous. Voilà. Donc je vous mettrai toutes les rêves des accessoires qu'on vous a montré dans la vidéo, bien sûr, dans le descriptif. Il me reste plus qu'à vous dire au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de mettez des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que je me renseigne sur certaines choses chez Dream Drive. Notamment, je vais me renseigner pour la protection de l'écran arrière. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt. Ciao. Salut.